Bien le bonjour, chers amis, c'est LeurN2Play. Je suis en compagnie d'une vieille... d'une vieille loque. Vas-y, trouve-la ton insulte, trouve-la. Prénommée Yanamu. Bonjour. Bonjour à tous, c'est Yanamu, moi. Nous sommes contents. Ouais, j'avais envie, c'est tout. Nous sommes contents d'être ici, ça se voit. Et les barbares ont pénétré gentiment ma... Oh, ils t'ont pénétré les barbares. Ah, t'aimes ça. D'ailleurs, c'est bizarre, ouais, ça ressemble à rien. Donc, ils ont pénétré mon territoire vers Amsterdam. Je vais me faire un plaisir de les en déloger avec mes lanciers. Vas-y, déloge-les avec tes lanciers. Ouais, ouais, bon, on va se calmer un petit peu là. Bah ouais, faut dire que ça fait une demi-heure qu'on est en Skype, d'accord? Ça fait une demi-heure qu'ils cherchent comment faire son truc, enregistrer, etc. 720p, 1080p, 1280p. Non, on a aussi parlé mégaoctets puis mégabits. Mais oh putain. Oh là là. Oh là, là. Je vous laisse imaginer sur quoi ça a dérivé, bien entendu, là, parce que faut savoir qu'avec LeurN2Play, moi, ça dérive toujours. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Bref. Oh bah tiens, j'ai des archers. C'est bon, j'ai viré les barbares et je vais pouvoir m'étendre. Je suis un petit peu safe de mon côté. Je vais faire un hôtel de la monnaie si ça te dérange pas. Hein, mais moi je produis le marché et tout, donc l'hôtel de la monnaie, il faut savoir que c'est, on va dire, entre guillemets, une merveille nationale, je pense, qui fait que dès que toutes tes villes ont des marchés, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Je vais prendre le pouvoir. 2 secondes, je t'interromps, je prends juste le pouvoir collectif. Vitesse de formation des colos augmente de 50% dans la capitale. Oh yeah. Oh yeah. Ouais, c'est exactement ça. J'ai un petit colon qui va aller s'installer quelque part pour fonder notre... Enfin, ma troisième ville, pardon. C'est vrai que tu n'es pas avec... Enfin, Voilà quoi, on se comprend. Tour suivant. Tour suivant. Ah oui, suivant. Faudrait peut-être aller explorer vers l'est, je te propose... Faut aller explorer partout de toute façon, parce que je pense que la map est beaucoup plus grande que ce qui est dessiné dans la mini-map. Oui, bah ça c'est normal, On va l'explorer, plus elle va se réduire. Oui, oui, c'est normal, là c'est un effet zoomant. Mais je suppose qu'à gauche, c'est la flotte, c'est les limites. Je pense qu'on est du côté ouest de l'anneau. C'est possible. On est du côté ouest de l'anneau. Enfin, à gauche quoi. Et voilà, faut trouver les autres civilisations. Et j'ai un ouvrier prêt dans un tour. Ceci est bon. Ceci est très bon. Ouais. Je perds 7 or par tour. Te plains pas, d'accord? Moins 9, ok? Je suis à 0, sans déconner. C'est la déprime, l'or. C'est la banqueroute de l'infini. C'est la banqueroute de l'infini, c'est clair. C'est pire que ça, là, putain. Oh là là. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Faudrait commercer le truc, mais faudrait qu'on se fasse une caravane. On peut pas se faire une caravane entre nous? Dans cette caravane. Le problème, c'est que c'est un petit peu loin, quoi. Bah, disons que moi, j'ai commencé par faire le caravansérail. J'ai pas fait du tout, que je ne saurais jamais prononcer. Donc, je vais pouvoir commercer, je pense, avec Tikal ou Palenque pour arriver à récupérer un petit peu d'or. Ouais, pareil. Mais ça va être religion fondée. Qui c'est qui a fondé une religion? Le catholicisme. Pouah. Hop. Oh putain, ils sont pas morts, les cavaliers. T'es sérieux là? Attends, je vais essayer de les. C'est bon, ils sont décédés. C'est parfait, j'ai des barbares. Oh, ils vont me chourer, mais vous avez pas intérêt à me chourer ça? Au prochain tour, mon colon fait encore une nouvelle ville. Ouais. Moi, je vais essayer. Il faut quoi pour faire des truffes? De toute façon, je peux pas... le piège. Ok, c'est bon, on les a. Caravansérail, ouais, 19 tournons. Est-ce que ça vaut le coup un guerrier, un lancier 9 tours ou alors un grenier? Non, je vais faire un grenier direct. Prochain tour, moi j'ai un marché qui est fini à Édimbourg. Je vais aller me faire. Ah, mais oui, l'hôtel de la monnaie, je me trompe, c'est le truc qui permet de décupler les ressources d'or et d'argent. Ok. Je confonds avec le. Je vais aller faire ma monument. Ville par là, là où il me conseille de la faire. Je vais écouter le jeu pour une fois. Tu vois. Ah, ben là, tu prends la colline. Tu vois la colline à côté des moutons? Ouais, ok, pas de problème. Voilà, tu auras le vin à proximité, tu pourras avoir les chevaux, tu pourras avoir le poisson derrière. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un putain de camp de barbares ici, j'avais pas fait gaffe. Faut surtout pas que je me fasse choper mes colons parce que ça va être juste la galère pour les retrouver. Là, je reste ici et je passe mon tour. Hein, tu te fais choper ton colon, en plus de ça, quand tu vas le récupérer, tu ne récupéreras qu'un ouvrier. Ouais, Ah oui, ça c'est pute quoi. Les truffes, ça va me faire un tout petit peu d'or. Moins 8. Ah, bien, bien. Écurie. Bah, écurie. Là, ils ont intérêt à se soigner. Et pas Cardiff est né. Bien joué. Ah, je suis un 1 de mécontentement. Je suis 0. Oula, j'ai eu un petit freeze. Petit freeze. Le petit freeze de la, déchéance. Va falloir que je crée un autre ouvrier, moi aussi. Toi, pour l'instant, tu vas te caler là-haut, d'accord? Non, tu vas rester là-dessus pour l'instant. Hop. Écoute, je te propose de passer le tour. Ouais, ouais, c'est ce que. Voilà. Et d'attendre encore. Ah, bah c'est marrant, ça passe plutôt vite. Ça c'est. Donc normal, tu m'as dit sur la colline. Mais pourtant, ils m'ont dit. Ils me conseillent les 3 emplacements juste là, à l'embouchure de la rivière, là. Là où t'es, ils te conseillent? Non, 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 à l'embouchure de la rivière, les 3 cases, à l'embouchure, au niveau de la mer, là où il y a les boîtes. Il vous conseille les 3 cases. Alors qu'au niveau de l'expansion de tes villes, premièrement, faire ta ville sur une colline apporte un bonus défensif. Ouais. Tu peux le voir d'ailleurs chez moi, hein. T'as Édimbourg qui a 21 défenses, Dublin qui est à 17, Dublin n'a aucun bâtiment de défense, ouais, et Cardiff est à 10 seulement. Cardiff est en plaine, tu vois. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Je vais la construire sur la colline. La guerre, elle finit. Je vais la construire sur la colline. Par contre, ça me demande un tour de plus, malheureusement. Ah oui, oui. Eh oui, on ne peut pas tout avoir. Bon, eux, je vais les décimer. Hein. Ah, je peux pas. Il y a quoi à exploiter ici? Hop, là, il y a du fer ici à l'exploiter, mon ami. Il va exploiter le fer. Allez, tour suivant. Oh, bah tiens, j'ai réussi à avoir une autre mine de pierre. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, c'est génial, ça. Oh, moins 11. Putain, qu'est-ce qui se passe? L'armée de terre cuite a été construite, l'oracle, ouais. Rotterdam peut attaquer un ennemi. Allez, va au diable. Et je construis. Attention. Ah, je vois pas avec ce drapeau à la con. Utrecht. Et ben voilà, Utrecht est né. Oh, il y a le camp... Putain, il y a le camp de Bifast. Oui, Bifast. Bifast, pardon. Oui, Bifast, oui, Bifast. C'est les Bifast. Tu vois, et tu vois, ta ville a directement commencé à 14 de défense, alors que Rotterdam est à 10. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est bon à savoir. Bon. Voilà. Eh bien, écoute... Par contre, moi, je trouve que tu t'éloignes un petit peu... Enfin, je trouve que Rotterdam est un petit peu éloigné par rapport à ta capitale. C'est pas grave. J'en construirai une autre au milieu. Il faut étendre l'Empire, c'est comme ça que ça marche. Il faut aussi savoir qu'en mécontentement, les villes croissent 75% moins vite. Oh merde! Ah, putain, 40 tours et j'ai 3 de mécontentement, c'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai 3 de mécontentement? Ah bah oui, c'est parce que j'ai créé la... Ouais. C'est parce que j'ai créé cette putain de ville, effectivement. Et je perds vraiment beaucoup d'argent. Ouais, bon là c'est assez chaud quand même. C'est les pertes de l'infini. Mais c'est au début, c'est au début. Construire les marchés. Construire des marchés. J'ai construit l'hôtel de je sais plus quoi. Ah bah tiens voilà, j'ai déjà récupéré pas mal d'or. J'étais à moins 9, je suis passé à moins 3, j'ai construit les truffes. Vous avez découvert l'ingénierie. Alors qu'est-ce qu'on balance maintenant comme... Ah je suis passé à moins 2. Oh putain il y a des cavaliers. J'ai balancé la navigation à voile. Lance autre chose, il y en a pour 5 tours. Attends 2 secondes, je produis juste quelque chose. Ah bah je suis en 1 de bonheur, génial. J'ai des truffes, les truffes ça a tout fait. Je vais choper un colisée ou un marché, écoute. D'abord un marché c'est prioritaire. Et après je me ferai un colisée, accord proposé, ouais. Attends il y a ce putain d'écran de score qui me gêne. Accord, tu me proposes de la teinture mais j'en ai plus besoin de la teinture. Mais bon c'est pas grave, j'accepte quand même. 3 de bonheur, oh yeah. C'est pour toi parce que moi ça ne m'apporte absolument rien alors je sais pas pourquoi. Bon on se fait quoi guild? Ça m'a l'air pas mal guild. Moi alors... je balance la navigation à voile parce que c'est vrai les deux tours. Mais on va devoir prendre l'ascendant au niveau maritime assez rapidement. Les bifaces qu'est-ce que je fais? Je vais prendre une sacrée bifle là par contre. Sinon Need for Speed a fini de télécharger depuis tout à l'heure que je l'ai lancé. Ah génial, on va pouvoir s'en faire après. Ouais. Cool. Eh, les gens... Le Need for Speed sera sur ma chaîne YouTube. Bah ça, ouais, je suis trop injurieux là, je me fais de la pub sur ta gueule, t'as vu? On va pouvoir se faire des tripes, c'est sévère. Je rappelle aussi que j'espère que le salon TeamSpeak sera bientôt prêt. J'espère. Ce serait cool. Ouais. Puisque là on pourrait vraiment accueillir pas mal de monde, surtout aussi pour se faire un Civilization 5 ou un SimCity d'ailleurs, il pèse que 12 Go, je vais l'installer demain si je peux, peut-être après le plot de la vidéo, d'une vidéo, je pense. Ouais bah ouais. Oui, non, mais ça se voit que t'es passé un bonheur toi, parce que tes villes elles grandissent là maintenant. Et ouais, t'as vu, c'est ça là. Oh putain. Oh putain. Des lanciers viennent de spawn en face de ma tronche. Oh. Je vais aller me réfugier et je vais envoyer mes archers. Il me faut plus de... Pourquoi c'est passé... Pourquoi c'est passé à 9? Oh putain, je suis repassé à moins 8. Viens voir Édimbourg mon gars, tu vas kiffer ta race. Fais voir hein. Édimbourg. Tu la vois ou pas? Ouais. En cours de construction. Ah, encore? Putain, mais tu fais tout le temps cette putain de merveille là. Oh merde, j'avais pas vu. Désolé. Attends, eux ils vont se barrer. Est-ce que tu vois la grande muraille en cours de construction autour des limites d'Édimbourg? Oh putain, merde. Oh le con. Je vais me faire choper mes ouvriers. J'avais pas vu les cavaliers au-dessus, fais chier. Je vais les protéger, je vais les protéger. Ah ouais, bien voyez. Putain, mais je suis encerclé là, fais chier. T'es carrément encerclé mon gars. Là déjà je vais essayer de me défendre contre eux, je vais essayer d'aller anéantir ce camp de biface à la con. Et après, je pense que ce sera bon. Je vais me faire beaucoup d'argent. Allez. Et d'argent dans le sens propre du terme. Je vais bientôt atteindre le fer aussi. Ah bah ça y est, ils m'ont chopé mes ouvriers, je me suis fait carotte. Ah ouais, et puis bien en plus hein. Oh putain, ils ont résisté. Tu peux les reprendre avec... Ah ouais, t'es merde. Ah mais ils ont résisté quoi. Oh les bougres. Les bougres. Ils ont résisté à l'infini. Tu vas pouvoir les re... Oh là. D'où Rotterdam pouvait attaquer les cavaliers, d'accord. Oh t'as des bifaces en bas qui arrivent aussi. T'es sérieux? Où ça? En bas de Rotterdam. Ah oui non, ça c'est bon, ça c'est qu'un détail. On va les soigner, putain, mes ouvriers, ce serait bien que vous me les rendiez. Oh, fuck. Oh, on a découvert la navigation à voile déjà. Il me faudrait des lanciers. L'optique. L'optique, ça nous donne quoi? Ouais. 6 tours, allez, balance. C'est parti pour l'optique. Passe à moins 5, ok, ouais, bon, bah écoute, tour suivant, hein. Putain, ils vont se casser avec mes ouvriers, je vais devoir leur courir après. C'est ça. Oh, ils se sont cassés, putain. La statue de Zeus a été construite dans un pays lointain. Oh, il y a un camp de barbares, ils vont les ramener là-bas avec des bifaces, putain, fait chier. Là, il me faut une force militaire... importante. Ouais, plus qu'importante même. Parce que là, je vais me faire zigouiller. Je suis obligé de rester dans la ville. Ils vont venir saccager. Là, j'ai construit... je vais essayer d'aller développer. J'ai le vin à Utrecht. J'ai déboîté les... j'ai déboîté, si ça tombe bien, j'ai déboîté les... Je vais soigner mes lanciers. Je vais aller défoncer le camp de barbares. Et après j'irai défendre mes ouvriers, j'irai les récupérer face à ces bifaces de la mort. Tellement de bifaces. Oh, quel nom. Qui a eu l'idée de les appeler les bifaces aussi? C'est leur nom historique, je sais bien. Mais... Pascal a achevé la construction de... Ah oh, putain. Ça c'est pas cool, tu vois. C'est pas cool du tout. J'ai un petit problème. Oh mais non, mais... Oh, il y a Chichen Itza qui a été construit chez Pascal. Ouais, mais Pascal il... Pascal il bombe, hein. Il flex le... Oh puis vrai, t'es mal toi là-bas. Déjà faut que j'aille défoncer cette unité cavalerie. Mais heureusement ils ont emmené mes ouvriers au camp, donc j'ai juste à aller assiéger ce camp de merde. Oui, c'est ça, oui. Bon, heureusement il est pas loin le camp, parce que des fois il est super loin. Je vais faire des lanciers, ouais. Il y a des bateaux ici, bon. Ok, au prochain tour c'est la mort. Et J'ai 6 de bonheur. Waouh, putain, il est passé vite le tour. Alors, encore une merveille qui s'est construite. Résultat, vous allez vous foutre là. Vous allez vous foutre là. Je propose le travail du fer. Attends, pour avoir des spadassins. Ah, ici je vais... Je sais pas quoi faire. Tu me dirais, il y a Machu Picchu aussi qui est sympa, mais... Je vais essayer d'aller assiéger ce camp. Ouais, je vais faire ça, je vais assiéger ce camp de la mort. Et ensuite j'irai récupérer mes ouvriers ici. Là, je vais les emmener ici. Ouais. Bon, on se fait quoi alors? Moi j'ai balancé le travail du fer. Travail du fer, ouais, c'est le plus court. Je sais pas, je... Allez, tour suivant. Tour suivant. Ça se développe plutôt bien de mon côté, je sais pas pour toi, mais... pareil. Tu perds combien d'argent? 6. Oh putain, je me suis fait choper. Les bifas sont capturés. Ça ne se passera pas comme ça. De toute façon, leur camp est à côté, donc... D'ailleurs, pourquoi je suis pas allé le détruire? Je suis stupide. Ouais, avant d'aller le détruire, attends qu'ils y ramènent les ouvriers au cas où. Ouais, ouais, c'est vrai. Putain, ils commencent à me faire chier, les barbares, hein, sérieusement. Je veux dire, il y a un moment, voilà, quoi. Hein. Faut dire ce qui est, ils sont casse-bouillurnes. Oula, j'allais dire autre chose, mais... J'allais dire casse-bonbon, mais j'ai dévié sur burne. Et je viens de... 2 secondes. LeurN2Play dévie toujours. 2 secondes, je me suis sali mes lunettes. Oh, oh, je veux pas savoir. Non, non, putain. Je veux pas savoir. Tu dévies sur burne et tu te salis les lunettes. Je veux pas savoir. Oh putain, je suis à -1 et j'ai un marché bientôt terminé. Tiens, dans tes dents, vieux sac, ça t'apprendra. Je veux pas savoir. Non, mais ça t'apprendra, hein. Je dis ça, je dis rien. Allez hop, tour suivant. Les Pays-Bas vaincront. Yanamu a achevé la construction de la grande muraille. Allez, c'est bon, il va se la péter avec sa muraille là. Ouais, ça empêche les invasions barbares. De ce fait, les barbares ne peuvent plus pénétrer dans mon territoire, il me semble. Ah putain, je me suis fait défoncer une unité, j'ai l'impression. Ah non, il est à la base, génial. Tu pourras te soigner. Et toi, tu décèdes jusqu'à la fin de tes jours. Et vous, je vous achève. Et toi, tu reviens ici. Et je vais finir ce camp de barbares à la con. Et j'ai mon grenier près dans un tour et mon marché près dans un... Oh non! Putain, les cavaliers, quoi. Ils vont me foutre le bordel. Putain, il faut vraiment que j'aille défoncer les camps barbares qui sont là-bas. Putain, il m'a pourri mon... Putain, je suis à 6 de bonheur. Il m'a pourri mon bétail, là. Faut que je revienne. Et moi, je me suis écarté, évidemment. Tu t'es écarté vers l'infini et l'autre, là-bas, ouais. Ouais. Je suis... Vous remarquerez quand même toutes les références cinématographiques exceptionnellement riches de cette vidéo. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vers l'infini et l'au-delà. Ah, oh putain. Oh, oui, c'est sûr que t'es allé chercher loin, toi, putain. Oulala, oulala. Oh, ils m'ont pourri mon or. Ils m'ont pourri mon or, les salauds. Je vais faire revenir les archers, hop. Je pète ce bateau. Et je vais aller défoncer ces cavaliers. De la mort. De la mort, ouais, c'est sûr. Je vais faire des cavaliers, tiens. Voilà, pour aller défendre. Oh, j'ai 16 d'or. Oui, c'est vrai, je viens de faire le camp de barbares, je suis stupide. Par contre, je vais devoir encore réparer, là. Ah, ils sont chiants. J'ai la possibilité de faire 3 routes commerciales. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Un marché. Ok, je vois les bifaces. Je vois ça. Va falloir les exterminer jusqu'à la fin. Allez, tour suivant. Wouh! Putain, ça va vite là, c'est bien ça. Allez, soigne-toi mon chou si... C'est quoi ça? L'accord stipulant que... Ouais, bon... Ah bah putain! Eh, t'as arrêté de me fournir la teinture, je suis à un de mes contentements. C'est normal, tu me fournis plus l'or. Ah bon? Ah bah oui! Putain! Oui! Bon bah ici je vais aller à... Pour me protéger je vais aller à Utrecht. Et commencer à développer un peu. Ah mais je vais devoir aller réparer mon or. Je vais réparer mon or dès que possible hein. Une fois que j'aurai viré ces putains de sacs. Oh je me fais encore attaquer par des barbares. Je vais aller les exterminer. Il faut que je fasse plus de galères. J'ai mes lanciers près dans un tour. Je vais aller récupérer mes ouvriers. Et après ce sera bon. Putain ça passe vite étonnamment là hein. Je suis content c'est... Ah ouais. Attends d'abord. Ah les sacs ils m'ont pillé moi. On les réduit à néant. Et oh. Allez. Pourquoi vous voulez pas? Non. Voilà. Pourquoi vous voulez pas? Et ils veulent pas? Ils veulent pas attaquer? Ok. Écoutez. Déjà. Voilà. Vous allez aller par là. Ah d'accord, c'est parce qu'ils étaient deux sur la case. Non, vous les avez même pas tués, vous êtes sérieux là? Bon. Oh putain, ils m'ont encore pourri. Ah, deux de mes contentements. Ah, moi aussi j'ai un cavalier qui vient me pourrir une source de pierre là. Putain, je vais devoir réparer 4 zones. En priorité l'or. Oh, je gagne de l'or. Wouh! Je ne sais pas comment tu fais. Eh, je vais récupérer mon bonheur, tiens aussi. Attends, je vais faire un détour par ici pour aller tout réparer finalement. J'ai mon unité de cavalier qui est prête. Ici, ça soigne. Ok, bah écoute, je te... Ah bah une construction ici, parfait. C'est faire P. Je vais faire un marché, hein. Très important dans chaque ville. Ah ouais, ouais, carrément là. Il faut pas oublier. Et finalement, quand tu n'y penses, c'est bien sûr la croissance qu'il faut maximiser le plus. Voilà, c'était la phrase du jour. Très profonde. J'aime quand c'est profond. Putain. Oh pitié quoi. J'étais obligé de rebondir là, qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, là, niveau rebondissement, c'est sûr, on va dire que oui, pourquoi pas. Bah oui, oui. Bon, quand il veut, Jean-Guy là. Des fois ça passe vite. Et alors des fois ça ne passe pas du tout. C'est bien simple. Bon. Quand il veut, Michel. Ah. C'est bon, toujours le petit freeze. Oulala. Alors vous allez mourir dans les abîmes les plus profonds. Et non, pas de jeu de mots encore dégueulasse sur profondeur. Hein. Bon, ici je protège, j'ai mes cavaliers. Ah bah tiens, il y a des bifaces. Justement, on va pouvoir faire connaissance. Vous allez réparer l'or. Vous allez réparer un peu toutes les cases autour. J'ai besoin de récupérer de bonheur. Par contre, je ne gagne plus d'or. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Un petit colisée. Un petit colisée, c'est parti. Ouais. Ah, oh, des spadassins barbares qui viennent de spawn. Ça va être chaud de récupérer. Enfin, il va falloir que je ramène ma cavalerie. Et que je supprime ces bifaces pour récupérer ces putains d'ouvriers. En vérité, il faudrait les piquer contre ça, mais bon, c'est pas grave. Ouais, bah j'en ai des lanciers. Ouais, des piquets. Ah merde, c'est pas la même chose, oui, c'est vrai. Parce que t'envoies des cavaliers face à des mecs avec des épées en fer, alors que tes cavaliers, ils ont des épées en bois. Ouais, bon, c'est bon, hein. Toujours rabat-joie, là, c'est bon. Bon, on prend quoi? Drame et poésie? Ouais, c'est ce que j'ai pris. Ouais, toujours le truc qui prend le moins de tours. Bon. C'est ça. Parce qu'on est des grosses feignasses. Oh oui. Par contre, ils vont m'éclater là. Putain, ça va être chaud d'aller défoncer les bifaces. Moi, je veux pas trop faire militaire. Hein. C'est plutôt l'autre là, beau, je sais plus quoi là. C'est un nom de merde. Beau. C'est quoi déjà ton nom? De quoi donc? Bah, de ton nom. Yanamu. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con. Oh là là. Il me parle de quoi lui? Mais ton nom, ton nom là, t'es ton chef là. Oh. Tu sais là, hey, tu comprends pas ce que je te dis? Tu crois que je l'ai retenu son nom ou quoi? Oh. Boadissé, c'est écrit non. Elle a un an couché dehors déjà. C'est comme tasse à café, chaise de jardin. Alors, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Boadissé. Exact. Ah, voilà, Boadissé, c'est exact. Oh putain! Oh mais non, mais vous êtes sérieux là? Non, 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 mais je suis pas d'accord là. Ils viennent de spawn une nuit. Putain, ils viennent de... Mais je suis à 7 de mécontentement. Ils viennent de me pourrir. Il y a des cavaliers de merde là qui viennent de me pourrir. Ma mine d'argent quoi. Mais cassez-vous de chez moi, sérieux. Je vais ramener mes lanciers. Je vais leur faire la peau. Pareil ici. Par contre, eux, oh, ils vont se faire défoncer. Voilà, on va y aller, on va faire... Putain, c'est chaud. Pour récupérer ces ouvriers, là, ça va être très chaud. Par contre, ici, je vais tout réparer. Ça va être vite fait. Je vais m'occuper de ces barbares, tu vas voir. Je te laisse faire. Mais je vais devoir tout réparer, ça va être vraiment chiant. Je vais devoir récupérer mon bonheur. Tellement de bonheur. Pendant ce temps, les vaches se font traire. Les vaches meuh gentiment dans les prés. Bon. Bon, faut que je fasse gaffe au Maya, moi, parce qu'avec Anticale, Chichen Itza et Palenque, là, le Pascal, il est en train de progresser, mais trop grave, quoi. Anticale et Chichen Itza. Ah, Chichen Itza, là. Chichen Itza. Ah, Chichen Itza. Chichen Itza. Qui veut son Chichen Itza? Qu'est-ce que... Et il a pété un câble. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors. Cavalier tente une approche. Je t'avais dit qu'il faut le tuer, ce type-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore construit une merveille. Ouais, bah t'inquiète, on va l'anéantir. Bon. Ah là, j'ai le choix, les gens. Hein. Vous avez vu, j'ai vraiment le choix. Tu vois, on va prendre Cardiff. Bah non, justement, ils voient pas. Bah les miens, oui, c'est vrai, ils voient pas, oui, oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Attends, dis-moi, tu serais pas un petit peu stupide là? Non, mais j'ai réussi à faire une route commerciale avec le... Non, 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 mais t'es stupide, c'est tout. T'es stupide. Bon, moi, faut que j'aille réparer tout ce bordel là. Va falloir que j'aille récupérer mon argent, que je récupère tout mon bonheur. Trop de bonheur à récupérer. Et là, il va falloir que j'explose ces spadassins et que je récupère ces saloperies d'ouvriers. J'arrête pas de le dire à chaque tour, mais bon, ça me stresse, alors je le dis. Bon, les gens, j'ai un scoop à vous annoncer. Léonard de Vinci est né en 320 après Jésus-Christ. N'importe quoi. Mais viens voir sur Édimbourg, regarde, j'ai un ingénieur illustre. Ah ouais! Ah, le sac! Il va m'aider à maxer rapidement une merveille. Ah ouais, bon moi je vais essayer d'aller récupérer là, les mines du roi Salomon. Oh, il y a les Japs qui sont venus me rendre visite. Oh. Trirème japonais quoi, je sais même pas si ça savait ce que c'était. Si si, les japonais sont d'excellents navigateurs. Ouais non mais je pense pas qu'ils avaient des trirèmes. Hein. Trirème, oh j'ai arrêté de perdre de l'or, je suis à 0, plus 0. Moi je suis à moins 2, je suis à 7 de mécontentement à cause de ces putains de barbares. De merde, oui je vais encore le dire. Il faut que je répare quoi. C'est un petit peu problématique en fait. En fait, je suis un peu dans la merde en fait. Hein. Complètement même. En fait, je vais devoir me débarrasser en fait de ces cavaliers en fait. Hein. Moi, ce que j'aime en fait, ben, c'est ça, hein, c'est le barbare en fait. Hein. Bon. Ah ça y est, je perds de l'argent. Ça pouvait pas, ça pouvait pas durer. Bah tiens, je suis à 0. Bon. Je vais réparer mon or. C'est bon, l'or est réparé. Je vais réparer ma ferme, mes deux fermes, ma vache et mon argent juste après. Bon, ce cavalier, je vais le laisser... Non, pour le coup, là... Voilà, je vais défoncer ses bifaces. Je ramène des guerriers en renfort. Les lanciers, je sais pas s'ils vont tenir le coup. Putain, il m'a ramené tout ça, ils m'ont ramené toute leur flotte là, les barbares. Je sais pas ce qu'ils ont, mais. Ouais, ils ont ramené toute la famille, t'as vu. Hein. Ouais, c'est réunion de famille, repas, c'est dimanche. C'est l'heure de la bouffe. Bon. Bah, tour suivant, écoute. C'est ça. Je vais enfin éradiquer la menace barbare. Le camp va être éradiqué jusque dans les profondeurs de l'infini. Ah, oh, j'ai 8 fers. Tellement de fers. Mais non, je n'ai que 6, logiquement. Je suis à 7 quevaux, moi. Perso. Et ça va bientôt augmenter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah putain, les bifaces sont venus me rendre visite. Allez, on va se les faire. Toi déjà, tu disparais de la planète Terre. Les barbares ont pillé la route commerciale établie entre Édimbourg et Anticale. Anticale. Oui, il a un petit délire. Faut... Ah, je suis passé à un de mes contentements. Hop. Voilà, bon. Oups. C'est bon, plus de barbares, il me reste plus qu'à réparer et c'est dans la poche. Je vais me faire l'argent et tout ira bien. Allez hop, toi plus de bateau. Et toi, bah tu te soignes. Construction. Alors, qu'est-ce que je me fais? Caravansérail, guilde des écrivains. Ah ouais, bien. Épopée nationale. Emplacement. Ouais, il y a une histoire de chef-d'œuvre aussi pour placer des chefs-d'œuvre. Ça, c'est avec Brave New World. Ah, jardin suspendu. Où est-ce que je me fais guilder? Tu veux faire jardin suspendu ou pas? On peut les faire? Bah moi je peux le faire, ouais. Pourquoi tu peux le faire et pas moi? Je sais pas. Moi je peux le faire. Pourquoi moi je peux pas faire jardin suspendu? Ouais, je peux pas faire le jardin suspendu, moi. Où tu peux la faire, le jardin suspendu? À Amsterdam? Ouais. Comment ça se fait? Eh bien écoute, je ne sais pas. Je pense que... Est-ce que je le fais? À quoi j'ai pas accès que t'as accès à Amsterdam? Bon allez hop, c'est pas grave. Je le fais. Bon, technologie, on part sur quoi? Je suis parti sur la philosophie, ma foi. Philosophie, ouais, pourquoi pas. Pour la science, pour la science. Ouais, pour la science. C'est pas faux, c'est pour le travail. Bon. Bah écoute, je passe le tour. Les bifaces seront bientôt exécutés, n'existeront plus. Oh, mais j'avais pas vu, on est déjà à 30 minutes. Ouais, déjà là. Bah ouais, 33 minutes, on a dépassé le temps réglementaire. Bon, on passe le prochain tour et puis on se laissera là-dessus. Oui. Non. Je déconne, oui. Oui, oui, oui. Bien sûr, parce que ça va me peser encore 1000 gigas. Voilà. Petit joueur. Petite bite. Quand il veut, hein. C'est juste pour faire tourner la vidéo, hein. C'est ouais, pour aggraver les... Putain, là, il y a les gigas qui passent, là. Ah. Mon Dieu. Alors, vite, vite, vite. Bon, l'argent, c'est pas grave, je le... Toi, tu vas te soigner. Attends, par contre, j'ai pas pu les jouer, résultat eux. Et attends, mais pourquoi ils me... Bon, là, ils sont encerclés, les bifaces, ils... je suis pas sûr qu'ils vont résister. Encore un bateau de détruit. Toi, tu me répares ça. Je perds 14 or par tour. 0, et j'ai 20 pièces d'or. Vous allez rester là. Et je peux avoir une doctrine, une trêche, je te réclame des perles. Mais ils vont se faire foutre, oui. J'ai pas de perles chez moi, bon. Alors, doctrine, qu'est-ce que je me prends? Élite terrienne. Dans liberté, après pouvoir collectif, tu prends quoi? Représentation ou méritocratie? Oh, j'ai tout pris, moi, la liberté, je l'ai fini entièrement. D'accord. Bon, est-ce que je me fais élite terrienne? Élite terrienne, c'est où ça? Je vais faire monarchie. Non, je vais faire monarchie. Attends, je regarde une... Ouais, monarchie, allez hop. Voilà, 6 de bonheur. Et encore, j'ai pas mon argent, ça va encore m'augmenter. Et je suis passé à plus 8 d'or par tour. Oh, allez, ça c'est fait. Eh bien, écoutez, on va se laisser là, je suppose. Exactement. Eh bien, j'espère que cet magnifique épisode. Ouais, et on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous. Portez-vous bien. Bah, salut à tous pour reprendre les termes de LeurN2Play. Et pensez également à vous abonner à sa chaîne, à liker toutes ses vidéos, à laisser plein de commentaires. Mais allez-y sur les commentaires. Il les lit tous en plus. Hein. Il y répond même. Bah, lâchez-vous les gens. Bah, attends, je peux me permettre encore hein, largement. Hein. Oui. Bon, allez. À plus. À ciao, bye bye les gens.